Voilà, alors René Colli, alors je suis fromager à Mouret. Je préside la société Agrogaz, qui est la société d'exploitation du biogaz aux Tsarines à Mouret. Alors, ce qui a été réalisé, c'est que la fromagerie, qui est un consommateur important d'énergie, devait revoir son concept énergétique et on a choisi, enfin, cherché des variantes. Pour cette production d'énergie, plutôt une production verte, disons, d'énergie renouvelable, puisqu'on doit participer comme entreprise aussi à diminuer les émanations de CO2, à s'engager pour la protection de l'environnement. Je dirais qu'il n'y a que de la valeur ajoutée, puisqu'au départ, les matières premières qu'on utilise, enfin, c'est des matières premières pour nous, mais au fond, c'est des déchets qu'il faudrait recycler différemment. En plus, la valeur ajoutée, c'est aussi bien sûr les déchets verts des communes. Alors, les communes peuvent livrer leurs déchets verts, par exemple les gazons, qui sont utilisés comme matière première pour la fermentation. Voilà, alors la commune a joué un rôle au départ un peu de moteur, disons qu'elle a, et nous a incité à entrer dans dans ce projet, dans le sens où c'est eux qui ont donné les adresses pour dire là c'est peut-être intéressant. Après, au niveau des autorisations, on a eu une bonne collaboration. Il fallait que ce soit les exploitants agricoles, donc les agriculteurs qui soient, disons, engagés surtout financièrement. Donc il y a une grande motivation d'un certain nombre d'agriculteurs, puis qui a fait que le résultat est positif, puisque chacun apporte sa compétence. Voilà, faut réunir des personnes motivées, quoi. Après, on trouve les aides et le support nécessaires pour réaliser.